Nous, les hommes, nous sommes tous des aventuriers sur le chemin de la découverte. Alors, ne soyez pas prisonniers de la routine. Ouvrez les yeux. Saisissez chaque opportunité. Soyez fiers si par vos actes, des plus discrets ou plus fous, vous avez cassé les codes. Salut à tous, c'est Miri41 et bienvenue dans ce 16e épisode dans Grand Edge's Realm et toujours sur notre mission où on doit tuer des méchants pirates à la con. Donc dans cet épisode, nous allons tout simplement continuer ce qu'on faisait. Je tiens à remercier tous ceux qui me suivent aussi puisque la vidéo d'hier des 2 ans de YouTube est tombée. Je vous remercie à tous de me suivre et de vous intéresser encore une fois au contenu que je produis, excusez-moi. Donc... on va devoir installer quelques petites choses en plus. Donc je remercie aussi Lord Sir Lord Phoenix, qui est un abonné que j'ai sur Skype. Non, Steam, pardon, qui m'a conseillé quelques petites choses pour améliorer un peu le feeling de la partie. Ce qui est déjà pas mal. Et je le remercie, hein, évidemment. Donc, on va faire ça. On va faire ça. Voilà. Donc ici, on va installer... Alors déjà, on va détruire ça. Parce qu'on peut faire mieux que ça. On va essayer de le caser dans ce coin-là. Comme ça, on va avoir du marbre, de l'or et les champs. Ça sera beaucoup mieux déjà. Hop. Non, on peut pas avoir l'argent, le beurre et le cul de la fermière apparemment. Donc tant pis. On va faire ça en... attendez. Au final, ce que j'ai fait ne sert à rien, c'est pas grave. Hop. On va le mettre là, voilà. Bon. Alors, ce qu'on doit faire, c'est on doit détruire ceci de toute façon. Alors, normalement, ça va un peu brailler, mais rien de très grave. Voilà, exactement. Mais c'est pas très grave encore. Bon. Ici, ils peuvent pas travailler, c'est normal. Ok, bon. Par contre, on va vite devoir se tourner vers la guerre de toute façon. Donc, faudrait qu'on aille jusque là pour... faudrait qu'on emmène une petite troupe là-bas dès qu'on peut. Pour un peu leur botter le cul. Mais ça va pas être gagné. Et ça va pas être facile aussi. De plus, on m'a dit... ok, donc ça, c'est très intéressant à faire. En unité, c'est ce que Lord Phoenix m'a dit, donc on va faire ça. Donc c'est des auxiliaires africains, avec des éléphants. On va bien voir ce que ça donne. Hein. C'est bon, ouais, c'est bon. Donc la bouffe, elle est là. Voilà, excusez-moi. Hop. Et on va bâtir le deuxième. Là. Et on va bâtir la mine d'or. Voilà, ici. Comme ça. On va faire une petite recherche de route commerciale, évidemment. Parce qu'on a besoin de justement s'arranger avec ça. On doit installer ensuite un truc d'olive. Voilà. Nickel. Et on va installer ça en plus. Voilà. Par contre, il faut faire attention parce que je peux pas le bâtir là, ça me fait un peu chier. On va devoir l'installer là ou sans doute là, je pense plutôt. Alors, ici, il n'y a pas d'eau. Donc, j'essaye aussi de régler les petits problèmes d'hygiène hein, pour éviter qu'on ait une épidémie sur le dos. Il faut dire que c'est pas du tout fun comme genre de situation. Hop, on va améliorer ça et ça. Là, on va devoir de toute façon importer du fer, j'ai l'impression. Ça me fait un peu chier parce que ça coûte la blinde. Donc, je sais pas du tout comment on va faire. Fiscalité, c'est pas trop ça. Bon, donc de toute façon, édifice religieux, on va être obligé aussi d'en construire un.
on va le placer. Normalement, le mieux, ça serait là, mais les autres, ils vont me tirer dessus. Tant pis, hop, on va l'installer là et on va rajouter. Hop, une maison, des kits ici. En revanche, normalement, ils vont commencer à brailler, c'est ça, parce qu'on a plus de. Assez de divertissements. On va installer des petits divertissements pour que tout le monde soit content et qu'on nous foute la paix. Alors. Ah oui, ici il veut. Ok, on va faire ça. Tac. Et on va installer. Ça, mais on n'a pas assez. Ça me fait chier. Donc on va upgrade. Voilà. Là, tu veux bien. Voilà. Et on va même en construire deux parce qu'on va installer un. Voilà, on va installer ceci exactement. Tac, et on va s'arrêter là parce que j'ai plus un rond. Et que c'est pas top. Alors. Ok, donc Rome est toujours le meilleur à faire. Bon. Hop, regardons un peu la carte. Pas de mouvement. Bon, de toute façon, on va se mettre en marche pour péter la tronche de toute façon à tout ce petit monde. Hein. On n'a pas le choix. Tac. Ok, nickel. Ah, nickel. Je me méfie de ça. De quoi? Il n'y a pas des kits. Bah, si, normalement. Fuck. Bon, donc on va devoir installer. Où est-ce qu'elle est la farine? C'est le moulin, voilà. Non, et c'est pas ça de toute façon. Voilà, c'est ça. Ici. Ceci étant fait. Ça va tout de suite démarrer normalement. Bon, je comprends pas trop le truc. Bon, c'est pas grave. On va mettre ça là. On va installer une nouvelle maison et on va rajouter un truc d'hygiène par-dessus encore. Voilà. Voilà. Nickel. Gagne un peu plus d'argent. C'est toujours ça de gagner. Alors, qui ne bosse pas? C'est vraiment un branleur ce mec. Bon, on va l'installer là. Tac. Et voilà. En revanche, on va devoir produire des unités rapidement de. Donc des auxiliaires. Ça, c'est du vin. C'est des marchandises. Donc on va faire ça. Et il faudrait aussi qu'on installe un. Voilà, c'est ça exactement. Il faudrait qu'on installe ceci. Par contre, je crois que ça va me coûter la blinde. On va voir un peu. On va voir un peu. Ne faisons pas les choses précipitamment. Sinon, ça va encore nous retomber dessus et c'est pas bon. Déjà, est-ce qu'ici je peux installer le chantier? Non, parce qu'il n'y a pas le bâtiment en plus. Qu'est-ce que je peux bien mettre qui peut servir dans ce coin? Bah, je ne sais pas. Même si je peux rien mettre quoi. Bon bah écoutez, ce qu'on va faire c'est qu'on va tricher. Hop, on va pas pouvoir mettre ça. Voilà, on va tricher, on va le mettre là. C'est complètement useless, mais c'est pas grave. Ça fera toujours ça de fait pour compenser un petit peu. Alors, tout le monde travaille, c'est bien, c'est bien. Par contre, on ne fait plus de recherche, ça c'est moins bien. Voilà, je vais pas faire les gardes prétoriens, ça coûte trop cher. On va pas en avoir l'utilité malheureusement. Ça, par contre, on va en avoir besoin. Et on va... On va faire un tribunal. Voilà.
Armée en mouvement, ok, ça va encore, c'est un tout petit truc. Ce n'est pas très grave encore. Alors, c'est très bien, je sais que tu peux pas l'utiliser, ça. Hop, et je m'en fous parce que je vais le démolir tout de suite. Alors. Tac. Tac. Et malheureusement, j'ai pas assez pour payer le dernier. Donc, on va pas le faire. Matériaux. Nickel. On en produit suffisamment. Ici, on commence à être un peu court. Donc, on va en construire quelques-uns. Où est-ce que va l'aqueduc? Ok. Hop. Ok, bon. Par contre, hélas, va falloir que je trouve le moyen de vendre justement des ressources. Parce qu'il me faut plus d'argent. 352, ouais. Ouais, vite fait. Ouais. Ouais. Un peu la mouise. Je peux pas dire le contraire. Tac. On gagne combien là actuellement? 560, c'est pas beaucoup. Hein. Pas beaucoup du tout. Hop, très bien. Allez, c'est parti les gars, on se remet bien. J'ai 33 quand même. Bon bah écoutez, on va installer nos Africains. Nos petits Africains. Hop. Ah, attendez, j'espère pas avoir fait de bêtises. Non, c'est bon. Et donc, bah. On continue à produire du cochon. Ça, on n'a pas trop le choix, donc. Alors, produire du cochon. Hop. Voilà, et puis on va en installer deux. Normalement, ça devrait être bon. Hop, et... Hop, voilà. C'est très bien. Seuil de recherche atteint. Oh, on a quand même eu un joli forum, hein, honnêtement. Comme il dit Cartman dans South Park, ça trouve le cul. par contre, j'ai pas installé la mine d'or, ça c'est moins bien. Ah si, je l'ai mise, pardon. Hop. C'est moi qui suis aveugle. Voilà, hop. Il y a un petit peu plus, c'est toujours mieux que rien. Ok. Et donc là, si tu fais le port, il nous en manque toujours. Toujours, toujours, sac de nourriture. On produit pas encore assez de port, ça m'énerve. Le port, c'est toute une vie, sérieux. C'est... J'ai vu un truc aussi chiant à faire au final. Hop. Tac. Et de toute façon, là, cette zone-là, on va bientôt plus pouvoir y faire grand-chose. Donc on va se débrouiller pour... on va aller ici pour les... Pour tout ce qui est les... Oula, désolé, il y a eu un gros bug là. Oula. J'ai vu le truc défiler devant mes yeux, c'est... Mon Dieu. Des recrutés, des guerriers. Ouais. Mais c'est mort. Faut dans le secteur des un tanneur. Mais le tanneur, il a besoin de quoi pour tourner? C'est bien de me demander ça, mais je sais pas. Tanneur. D'accord. Bon, on va installer ça de suite. Et voilà. Rallier. Ici. Bon. Bon, écoutez, on va faire ça. Clac. Voilà. Ça coûte 1000 quand même, ça. Bon, on va bien voir ce que ça vaut. J'espère juste ne pas m'être fait avoir Sir Lord Phoenix, sinon tu vas m'entendre.
Alors, qu'est-ce qu'on peut vendre? Qu'est-ce qu'on peut vendre? Ah, merde, j'ai pas assez. Bon. Il va falloir encore améliorer les fermes, apparemment. Donc on va faire ça, hop. Et hop, voilà. C'est quand même bizarre comme bâtiment. Bon, je ne sais pas. Alors... Ah, t'es peut-être à la limite, toi, par contre. Ouais, t'es juste à la limite. Je vais remettre de quoi bouffer. Donc, à savoir, donc, ceci. Et une autre boulangerie. Hop. Ici, ce qui fait qu'on doit installer... une nouvelle, et on doit installer aussi, voilà, ceci. Hop. Oula, mollo le jeu. Bah, je sais pas où il a foutu mes Africains. Ah, ils sont là. Ah, je me dis aussi, nom de Dieu. Oh lol, oh, oh comment c'est cheaté, oh. On paye pour qu'il récupère de la... du moral. Lol, comment c'est abusé. Bon, malheureusement j'ai pas beaucoup d'argent, donc je peux pas trop me permettre de faire le malin. Donc ici on va installer une nouvelle maison des kits. Hop, et on va mettre un charpentier. Charpentier, voilà, ici. On va même le mettre, voilà, juste là. Vu que c'est une zone... voilà, comme ça, parce que vu que c'est la zone où les bateaux à la con, nos copains, ils peuvent tirer dessus. On produit pas assez de blé, pas assez de bouffe. Super. En gros, ce truc nous sert à rien. Bon. Ouais, 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 ça m'arrange pas. Ah, extraction minière, on peut l'améliorer, ça c'est cool. Ça va me coûter combien? 1000, oh mon dieu. Tant pis, hop, ça nous fait du revenu en plus. Oula, oh merde. Ah, les fumiers, ils ont explosé mon temple. Mais je les emmerde, ces dieux. Quoi, vraiment que ça tombe de du ciel, sérieux, l'argent? Torture. Alors, bon, on va devoir reconstruire tout ça. C'est ça. Et je me disais aussi qu'il allait me faire un coup bas, le jeu. Bordel de merde. Je suis vulgaire, je sais. Hein. Pas la peine de me le signaler en commentaire. Et pas la peine de faire que vous êtes indigné. Je comprends tout à fait. Tout à fait, n'est-ce pas. Ok, ça va encore, si c'est que ça. Je vais pas me plaindre. Hop, bon. C'est un peu la mouise, hein, cette map... Désolé, je fais souvent ce bruit, je suis désolé. Je sens que certains doivent m'en vouloir à mort. Ah mon dieu, tu m'exploses les oreilles. Je m'en excuse. Alors, ouais, c'est vrai qu'on vient un peu short dans tout ça. Ouais, donc on va un peu booster la production de bois. Hop. Oula, désolé, encore un bug. Bon, je suis désolé, hein, s'il y a des petits bugs qui apparaissent devant votre écran, je n'y peux rien. Je n'y peux rien. Technologie, on va annuler ça, on va faire ça, hop, on va... Voilà, je suis désolé, hein, je modifie beaucoup l'ordre, c'est pas trop de ma faute, même si en fait c'est de ma faute, mais en fait vous a balancé techniquement, donc... Hop. Mmh.
attaque. Ouais, bande de feignants, vous attaquez, ouais. Allez, hop. Oh, 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 oh. Oh, ça a l'air marrant. Oh, la vache. Oh, oh. Oh, ben... Oui. C'est pas si marrant que ça, en fait, mais bon. Tac. Allez, les gars, vous vous entraînez. Ça vous fait un peu les pieds. Alors... C'est normal que la religion est médiocre. 40, d'accord. N'empêche, on a quand même un forum très sympathique. En revanche, j'ai oublié de vérifier l'hygiène. C'est ça. Et l'emploi, ça doit pas être ça aussi. Et c'est ça. Hop. Donc, ce qu'il nous faut, c'est le charpentier, on avait dit. On dit charpentier. Alors, regarde juste 2 secondes, Miri, voilà. Tac. Voilà. Nous allons pouvoir nous venger. Nous allons faire des bateaux de guerre. Enfin, Miri avance dans l'épisode. Non, mais c'est pas possible. Non, je fais de mon mieux, honnêtement, je suis plus en mode hurlement devant mon écran à tenter de produire un contenu fiable et viable, mais c'est pas facile, vous savez. Hop, et on va mettre ici, voilà. En plus que ça coûte un bras à faire toutes ces conneries, donc ça n'aide pas forcément. Pourquoi il veut quoi ? Ah non, c'est ça, la nourriture, on s'en fout maintenant. En tout cas, c'est sûr, c'est pas mon peuple qui crève la dalle. Hein. Si j'en entends un seul faire « on a faim !» Je le tabasse, mais un truc de malade. Hein. Rien qu'au bon de sa vie. Rien du tout. Oh god, ça coûte cher. Bon, ça c'est fait. Il faudrait qu'on améliore une Porsche. Tant pis. Hop. Ah mon dieu. Oh punaise. Ça fait mal. Bon, tant pis. Hop. Sac de nourriture. Ouais, on produit pas assez, en fait. Oh, c'est chiant. Oui, je sais. Finance, ça va pas. Pas la peine de me le signaler, le jeu. Je suis au courant. Hop. Et qui travaille pas dans tout ça ? C'est bien ce que je me disais. Hein. C'est pas moi qui imaginais des choses. Hein. Bah oui, écoute, on va devoir réinstaller ça. Non, mais en fait, on peut pas. C'est pas possible. Oui. C'est pas avec la guerre que je vais m'en sortir, qui plus est. Ça coûte combien, ça? 1000. Oh, ben... On a le temps de voir. On a le temps de voir. En plus, il va falloir faire toute... Oh my god. Oh, pff, vas-y, laisse tomber. Ça va être la galère, cette partie. Bon, on va devoir installer un temple de Vespa. On va le mettre là. Écoutez. On va augmenter la population dans ce coin. Temple, Vespa. Voilà. Et on va mettre ceci. Voilà. Il amortira un peu les. Le coup. Puis limite, je pourrais peut-être en installer un autre là. Mais je crois que je n'ai pas le droit. Vespa. Voilà, c'est cool, je me rappelle déjà plus où est-ce qu'on retrouve les temples. Public... Ouais, c'est ça. Ouais, j'ai pas assez de pierres, donc ça règle le problème. Et j'ai pas assez de blé, donc ça règle aussi le problème. alors... De toute façon, je peux pas, donc c'est la merde. C'est la merde.
Je produis du pain, mais je peux pas utiliser le pain. C'est-il pas magnifique? Bon bah écoutez, hop, hein. Pétez-vous la tronche, entre vous, pardon. Merde, ça prend pas de ça. Oh merde, bon voilà, je fais des conneries. Oh, gay night, hein, comme on dit. Ouais, gay night. Bon. Alors, où est-ce que j'en suis? Voilà. Tant pis, c'est pas grave. On va, reconstruire. C'est pas si grave. Zen. Bah, puis... Ah, là, je peux, par contre. Oh, putain. Et du sale chien. Hop. Voilà. En fait, toi, tu nous sers à rien, donc tu vas pouvoir mourir. Hop, tu me rapportes 84, c'est toujours ça, écoute. Voilà. Nickel. Les recettes fiscales. Ouais. Le temple. Ouais. On a connu mieux. On a connu mieux. Et ouais, bon bah, de toute façon, à part là, essayer de trouver un moyen de produire des ressources qui me rapportent de l'argent, je vais pas pouvoir faire grand chose. Surtout que justement, je peux quasiment rien produire, donc. Un peu la merde, quoi. Alors, Sénat, ça sert à quoi? Bon, on va bâtir le Sénat. On va faire le Panthéon, voilà, ça nous occupera. Bon, oula, sauvegarde auto. Ça va aller le jeu là, tranquille. Tac. Et voilà. Alors. Ouais, bah je sais pas trop quoi faire là, je suis un peu coincé. Tac. 38, lol. Lol. 98, ok. Bon bah, hop, on va faire un bateau, parce qu'on aime bien les bateaux. On va faire deux bateaux, parce qu'on aime bien les bateaux. Et on va faire un contingent africain en plus, parce qu'on aime bien se ruiner. Hop, voilà. Et que par contre, là, ils me les brisent, les gens. Ils n'ont pas ce qu'il leur faut, ils sont tristes. Ah oui, ici, c'est un peu la merde. Ouais, niveau religieux, c'est un vrai désastre. De toute façon, ça sert à rien. Dans quasiment toutes les maps que j'ai fait, c'est toujours la même chose, donc ça sert à rien. Alors, intimer les barbares, c'est-à-dire, ça fait quoi? Oh, c'est bien. Ouais. Ouais. Ça, ça serait mieux. Ça serait bien ça, mais je crois que je peux pas le faire. Ouais, ça coûte tellement cher en même temps. On peut pas trop se le permettre, quoi. Hop! On bouge, les gars. Ils sont où mes petits africains? Oh, ils ont du bas, mais mes petits africains. Hop. Alors, j'aimerais savoir combien on peut embarquer d'unités là-dedans. C'est vrai que ça serait cool qu'on le sache. Et non, ça ne peut transporter qu'une unité, ces chiens. Oh, punaise. Pire que des radins dans le jeu, sérieux. Hop. Et puis dès qu'on a assez, on va repayer des petits africains. Alors. Tac, là-dedans. Il y a un bateau à la con là. Il y a un deuxième bateau à la con là. Ouais, donc ce qu'on va faire de toute façon, c'est qu'on va aller attaquer directement ici. Pour justement se... Je vais faire un peu plaisir, quoi.
Ah, nickel. Est-ce que je peux leur demander d'attaquer ce truc-là? Ah oui. Bon, c'est bien. On va voir ce que ça donne, écoutez. Ok, il tente rien en arrière, n'est-ce pas? On va en produire, hop, des nouveaux. Ok, par contre, après, j'aurais plus assez de ressources, donc. On va pas pouvoir faire les malins encore très longtemps, hein, avec les petits Africains. Pas intérêt de merder, sinon ils vont subir le fruit de ma fureur. Mais comme ça fait quand même très bizarre. Allez, hop, petits les Africains. Voilà. Je sais pas ce qu'ils font, mais bon. Allez, hop, ici. Merde. Ah, les chiens, les bateaux, en fait, ils font rien. Oh, les... Non, mais ils sont sérieux. Ah, mais c'est pire que des chiens, les mecs. Je suis désolé de le dire comme ça, je suis... Ah, je suis déçu par ça, là, pour le coup. Les bateaux, ils font pas grand-chose en attaque. Au moins, dans Rome Total War, ils peuvent faire des choses, les bateaux. Bon, voilà. Hop, ceci étant fait, hop, on va faire ça. Merci, Pompée. Bon, bah écoutez, on va prendre les trois. Puis on va aller là. Allez, hop. Pluie de lance et chut. Allez, bouffez ça, bande de chiens. Et là, j'espère juste que c'est pas de la camelote. Parce que vu le prix, y a pas intérêt que ça soit des saletés. Allez, oust. Hop. On cherche Senna, ok. C'est peut-être dans... Public, je veux savoir. Senna, théâtre, non. Non. Non, moi je sais pas. Je sais pas à quoi sert le truc. C'est pas grave, écoutez. On va pas trop s'en plaindre. T'as pas pris trop cher, ah, c'est quand même. Hein. Même un petit peu pris cher les bougres. Hein. J'ai installé un campement militaire. Normalement, je pense que ça va restituer les troupes si c'est pareil que le fonctionnement basique. Hop. Voilà. Bon, les bateaux à la con, là. Top. Schnell. Voilà. On livrait tout. Oh, trop bien. On se croirait presque dans Rome. C'est-il pas beau? Par contre, je crois que tu m'as pas tout livré. T'es sûr de m'avoir tout livré? Ah oui, il y a tout. Pardon. Non, merde. Voilà, hop. Et le prochain fight sera dans le prochain épisode. Et oui, puisque ça fait déjà 35 minutes, on va dire comme ça, ce qui en fait ça va être la 34e minute à peu près. Voilà, donc je vous souhaite bonne chance et manger à tous et à la prochaine. L'épisode 17 sera riche en action puisqu'on va péter du méchant barbare à la con. J'en perds déjà toute ma voix. Et donc on se retrouve pour l'épisode 17 pour tout simplement nous attaquer au premier campement barbare, ce qui est déjà pas mal. Alors par contre on va juste voir un petit truc sur les objectifs juste pour que vous voyez avec moi. D'accord, donc on a fait déjà 7 unités sur 12, ce qui est déjà pas mal. Gagner sans perdre une unité, ça par contre ça risque d'être un peu compliqué, mais on va essayer de le faire. Et donc ouais, ça a l'air d'aller. Bon, hop, j'ai juste un dézoom pour vérifier.
Ah oui, ça marche. Oh, c'est-il pas beau? Je trouve bien. Par contre, je sais pas si j'ai encore assez de... autres. Si j'ai assez, je peux commander un... Commander ça. Voilà. Donc, on va se quitter sur ces images. Donc, j'espère que ça vous aura plu. Je vous souhaite bonne chance et bonjour à tous et à la prochaine. N'hésitez pas à commenter, liker, Facebook, Twitter, la compagnie Myrienne.com, Google+, tout est dans la description et dans la page à propos de la chaîne. Et je crois que c'est tout, ce qui est déjà pas mal. Donc, ciao à tous et à la prochaine. Et encore merci de me suivre sur YouTube depuis 2 ans pour les plus anciens. Et puis sinon, merci tout simplement de me suivre pour ceux qui viennent à peine de commencer ou qui me suivent depuis quelques mois ou quelques semaines à peine. Voilà, ciao à tous!